à l'intérieur de la zone franc. Nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons... en effet que cette parité qui est actuellement de deux anciens francs français pour un franc CFA ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive basée sur des critères objectifs permette de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Par ailleurs, il nous semble que le franc CFA doit acquérir davantage de personnalités dans la zone franc pour inspirer confiance à l'étranger. Je soulignais que nous sommes disposés pour notre part à toutes les évolutions, à toutes les facilités, sous une réserve cependant. C'est que l'indépendance, c'est que la souveraineté que peuvent réclamer les autres, elle a ses limites dans la garantie que donne l'État français. L'une est liée à l'autre. Et il est bien évident, Monsieur le Président, que la nécessité de cette solidarité et la nécessité du lien entre la liberté de chacun et la garantie, vous venez de la donner vous-même. Car à la suite de vos paroles, il est évident que le franc CFA demain s'effondrerait s'il n'avait pas la garantie de l'État français.